Hey, salut tout le monde, c'est Twizy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super, je pète la forme, j'espère que pour vous c'est la même chose. Donc directement avant de commencer le commentary, enfin j'ai déjà commencé mais c'était juste pour vous dire que désolé si ma voix est un tout petit peu bizarre. Attends parce que j'ai attrapé la crève, donc là c'était ma vie, mais c'était juste pour vous dire ça, si vous trouvez ma voix un tout petit peu bizarre, voilà. Donc alors le gameplay donc pour l'épisode 3 avec le balista, donc ça me fait même de la peine de dire le balista tellement qu'on a vraiment galéré à rentrer un gameplay avec, c'était quand même super dur. Le balista, je pense que vous l'aimez bien, enfin la plupart des personnes l'aiment bien, l'apprécient bien, mais nous on a vraiment du mal à le gérer. On a mis des jours, même des semaines à rentrer juste de gameplay. Voilà, juste de gameplay, en plus c'est loin d'être carnage, c'est juste des gameplay corrects, rien de plus. Au moins une semaine pour entrer de gameplay, donc c'est vrai, voilà, pour juste pour vous montrer à tel point qu'on a vraiment galéré à rentrer un gameplay avec le balista. Donc directement je pense que ce sera la première vidéo, la dernière vidéo que vous verrez avec le balista sur notre chaîne. Voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Le balista, c'est vrai qu'il est pas mal, donc c'est vrai que c'est une petite machine à Hidmarker, ça je pense que vous le savez très bien. Après il est beau et tout, le scope il est, voilà, il est assez bien, tout, c'est pas un scope très très moche à l'intérieur. Donc voilà, il scope vraiment assez rapidement, niveau déplacement on va quand même assez vite, on court assez vite et tout. Donc voilà. Donc alors sa classe, si je me trompe pas, il joue avec un B23R, ensuite comme score streak il joue avec un drone, drone de chasse et un petit foudroiement, donc 3 score streak, ah, j'ai vraiment du mal à le prononcer ça, 3 score streak qui sont vraiment super bien, donc qui s'enchaînent l'un après l'autre, donc le drone qui permet de débloquer le drone de chasse assez rapidement, puis ensuite plus que 1 ou 2 kills pour avoir le foudroiement, donc voilà, donc c'est vraiment très très cool. Et donc voilà. Donc il jouait comme premier atout si je me trompe pas avec poids léger, donc poids léger, sang froid, et ensuite il jouait sang froid ingénieur qui est vraiment plutôt pas mal pour tout ce qui est clé mort qui traîne un peu partout derrière des murs. Voilà, comme par exemple derrière un petit camion, truc du genre qui pète quand on est en pleine série, ou même bien avec des bêtises. Donc c'est vraiment super comme atout, ça je pense que vous le savez très très bien. Donc voilà, donc sinon il joue avec conditions extrêmes, donc atout basique qui est franchement cool. Et donc voilà, sinon il jouait avec charge électrique et la hache de guerre, non, la hache de combat, la hache de guerre, ça je ne sais plus, je crois plutôt que c'est la hache de combat, à vérifier. Voilà, donc maintenant le tirage au sort, donc ça je pense que ça va vous intéresser pour ceux qui se sont pour ceux qui sont inscrits, pour ceux qui sont participés durant le concours de la semaine dernière, donc des 3 lots qui n'ont pas été réclamés. Donc je vais directement dire donc les gagnants, donc en même temps je mettrai sur l'écran les gagnants avec en face ceux qui ont gagné. Voilà, donc alors le premier gagnant, donc si je me trompe pas, c'est VF4 Design qui a gagné un background, donc un background qui sera réalisé soit par moi ou soit Panadox, un background qui est assez correct, qui va ressembler un peu à celui qu'on a en ce moment. Donc soit un background ou soit une bannière, donc sera à vous de nous préciser ça dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires mais dans le message, dans le message simplement, dans lequel on va vous dire qu'est-ce que vous voulez dans le background, c'est-à-dire la forme, l'écriture, etc., etc. Donc voilà, donc sinon, My the Valentinus, désolé mec, donc désolé pour mon accent anglais qui est vraiment terrible, je sais, j'adore mon accent anglais. Voilà, donc t'as gagné un serveur Minecraft hébergé par NitroSurf pendant une durée de 1 mois, donc si ça c'est pas cool, franchement, donc 4 slots, donc pour 4 personnes, donc voilà tout. Donc voilà, donc on t'envoyera un message privé aussi, comme pour VF4 Design, avec l'IP du serveur et tout. Voilà. Donc maintenant, donc le dernier lot, donc l'introduction, c'est qui l'a gagné, c'est qui, donc c'est FireMax. Donc bien joué à toi mec, t'as gagné l'introduction réalisée par Nadox en 2D, donc elle va ressembler un peu à celle qu'on a en ce moment, donc ce sera à toi. Donc on va t'envoyer un message pour dire que t'as gagné, et ensuite ce sera à toi de nous envoyer qu'est-ce que tu veux dans l'introduction, donc par exemple les couleurs, les formes, etc., etc. Et donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est obligatoire, donnez vos Skype dans les messages simplement pour qu'on vous transmette l'IP, le background ou l'introduction. Voilà tout. Donc bah, pour le tirage au sort c'est terminé. Donc pour le tirage au sort, donc j'ai fait ça grâce à un site, donc je pense que vous le savez, c'est random.org, donc c'est un site qui dit des nombres au hasard. Donc là il y a eu à peu près une vingtaine de commentaires, donc j'ai mis du premier commentaire au dernier commentaire, donc ça m'a donné un nombre au pif, et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai
dessus les gagnants si vous voulez savoir. Voilà, donc maintenant le sujet de la vidéo, donc c'est tout simplement, pardon, donc une vidéo sans sujet, c'est plus vraiment une vidéo. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un sujet dans la vidéo, ça rend la vidéo plus intéressant. Donc alors aujourd'hui, donc le sujet de la vidéo, c'est les spawn kills et les spawn traps, donc la différence qu'il y a entre les spawn kills et les spawn traps. Voilà, donc je vais directement commencer avec les spawn kills, mais juste avant, donc c'est la fin de la partie. Donc avec un score de 27-6, donc voilà, bon, directement enchaîné avec le gameplay qui sera cette fois avec Wargame, donc encore sur la map standoff, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Donc cette fois, donc encore les mêmes killstreaks, il joue avec insertion tactique, grenade à fragmentation, si je me trompe pas. Ensuite, comme à tous, si je me trompe pas, il joue en poids léger, un petit truc du genre. Ensuite, il joue en main leste, et si je me trompe pas, à la fin en dextérité. Par exemple, par contre. Désolé, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi, donc désolé. Je crois qu'il joue avec processeur balistique, si je me trompe pas. Ensuite, je crois qu'il joue avec soit chargeur rapide, ou soit... comment ça s'appelle tout ça? Soit balle blindée, voilà, donc balle blindée. Donc voilà tout. Donc sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur sa classe? Comme arme secondaire, ça je ne sais pas du tout. Je crois qu'il joue avec un TAC-45, un petit truc du genre, un truc qui tire des balles en tout cas. Et donc voilà. Donc voilà pour le gameplay. Donc encore sur stand-off malheureusement, donc ça c'est pas très très grave. Donc le gameplay, si je me rappelle, le score sera peut-être pas aussi bien, mais sera franchement à peu près du même genre. Donc voilà tout. Donc alors je vais directement retourner sur le sujet de la vidéo. Donc les spawn kill et les spawn trap, donc directement commencer avec les spawn kill. Donc les spawn kill, donc c'est le fait de, je pense que vous le savez très bien, enfin il y a certaines personnes qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Donc le spawn kill, c'est le fait de tuer une personne environ 4-5 secondes juste après qu'il réapparaît dans son spawn. Voilà, donc c'est quand même assez méritant, je le trouve, simplement parce que le spawn kill, ça se fait généralement dans les modes où les spawns ne sont pas aléatoires, comme dans les modes comme la domination. Voilà, donc le spawn kill, je dis directement, c'est interdit apparemment. C'est interdit, donc dans la charte de Call of Duty. Donc souvent quand on achète un jeu, par exemple comme Call of Duty, voilà, avant de jouer à ce jeu là, donc il y a la charte qui apparaît sur notre écran. Donc logiquement on doit la lire et puis accepter ensuite. Donc au passage, la charte que personne ne lit malheureusement, bah, même moi je la lis pas. C'est vrai que ça serait pas mal de la lire un jour. Un jour je ferai ça, pourquoi pas, si j'ai le courage, pourquoi pas, j'irai lire tout ça. Donc apparemment j'ai vu ça sur internet, que le spawn kill c'est interdit par Call of Duty. Donc voilà, donc c'est interdit malheureusement. Et donc voilà tout. Donc j'ai pris tout dit sur le spawn kill. Donc le spawn kill, c'est le fait de tuer une personne 4-5 secondes après qui réapparaît dans son spawn. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais directement enchaîner par le spawn trap. Donc le spawn trap qui est, je dirais, un peu moins intéressant. Le spawn trap, tout simplement, donc c'est pas interdit malheureusement. Je trouve ça pas du tout méritant par les joueurs. Le spawn trap, je trouve ça vraiment dégueulasse. Tout simplement, c'est le fait de tuer une personne directement quand il réapparaît. Donc c'est limite si on le voit pas réapparaître devant nous. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment peu méritant. Donc c'est souvent comme ça que font les snipers leur feed, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc le spawn trap, c'est un défaut du jeu. Donc c'est un... comment je pourrais dire ça? C'est un défaut du jeu, tout simplement. Donc ça n'a pas été fait exprès par les développeurs du jeu. Malheureusement, donc, par exemple, je vais dire quelques exemples sur le spawn trap. Donc par exemple, on peut prendre Nuketown. Nuketown, il y a un spawn trap dans Nuketown, je pense que vous le savez, c'est derrière les sortes de barricades, la sorte de barrière où il y a des plantes et tout. Là c'est du spawn trap. Et donc voilà, par exemple, si j'ai un autre exemple que j'ai chopé sur internet, c'est par exemple sur Fearing Range. Ça par contre je ne sais pas du tout où il peut être le spawn trap, ou peut-être au fond de la map où il y a des cibles. Je pense pas que vous savez où je veux dire, mais moi je me comprends moi-même, c'est le principal. Non, je déconne, c'est juste, bah je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est là-bas, je ne suis pas sûr. Et donc voilà, par exemple le spawn trap, pour ça quand même dégueulasse, que c'est vraiment très très simple. Il suffit d'être en team par exemple et de bloquer un spawn trap. Par exemple le spawn trap, ça se fait souvent dans des modes où les spawns ne changent pas, comme la démolition. Donc il suffit d'encercler le respawn des ennemis et d'être viseur fixe et attendre que ça bouge, voilà, et de tirer dessus et de faire des kills, voilà, autant qu'on veut. Donc je trouve ça pas vraiment méritant, c'est un défaut du jeu malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin d'une certaine technique de jeu, faut juste savoir camper, viser et tirer, rien de plus. Donc voilà, bah, putain, pour une fois que j'ai terminé le sujet avant la fin de la vidéo. Donc voilà, donc le spawn kill et le spawn trap, j'ai plus vraiment grand chose à vous dire là-dessus.
Donc voilà, donc je pourrais tout dire sur la vidéo. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah si, donc on va passer sur la code CF. Et oui, on va passer sur la code CF. On a envoyé un message à la code CF sur notre vidéo il y a 2 semaines. Ils ont répondu en disant qu'on allait passer dans la minute. Et oui, dans la minute, voire dans les semaines qui allaient suivre. Donc peu importe quand on passe. Donc le principal, c'est qu'on passe. Donc comme ça, ça va nous permettre d'augmenter un peu notre communauté. Donc c'est vraiment magique. Donc un grand merci à eux s'ils regardent la vidéo, ce qui me donnerait. Mais bon, voilà, on sait jamais. Donc un énorme merci à eux, ça fait énormément plaisir. Et donc voilà, donc on va passer sur la code CF avec la vidéo de la MTAR, avec le gameplay de Wargame, le commentary de Wargame, où il disait comment YouTube gagne son argent, et voilà, et tout le tralala, voilà. Donc sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y aura vidéo sur notre chaîne, donc il y aura... il y aura une nuque en live sur Modern Warfare 2, avec Wargame, ou même bien avec Nandox, ou même bien nous trois. Allez, pourquoi pas un petit triple commentary, ça pourrait être nickel en live. On va essayer de faire tout ça. Donc on vous cache pas qu'on a un peu en manque de vidéos, on sait plus vraiment quoi faire sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc avant c'était Minecraft Call of Duty, et ainsi de suite, c'est vrai, mais maintenant Minecraft ça nous lasse. On a décidé, d'arrêter pendant un petit moment, donc c'est pour ça qu'on sait plus vraiment quoi faire comme vidéo sur notre chaîne YouTube, voilà. Donc sinon, la semaine prochaine, donc Call of Duty, Modern Warfare 2, en live, une nuque. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, donc ça fait super plaisir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc désolé pour le commentary, il n'a pas été parfait à cause de ma voix qui est un tout petit peu bizarre. Donc désolé si des fois j'ai un tout petit peu bugué et tout, je suis malade, et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gars, donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour la nuque en live. Allez, ciao.